I think we should also talk about the past, because I'm convinced that today, in order to understand a little bit the present event of the region, we should talk about the past. It means also talking about history. The first question is the first question more or less for everybody. Everybody was a little bit too optimistic about the development of the political, cultural situation of the Arab world during and after the revolution. Everybody, until some months ago, was talking about the defeat of the Islamism, about the independence of the revolt, about the maturity of the people in the different countries of the Arab regions. And now in Egypt, for example, the Muslim Brothers and the Salafists have an incredible majority in the parliament. And also in Tunisia, the Islamists won the elections. So why was everybody wrong? Maybe the first question for you. Ah, pour me. Ah, oui. Bonsoir. Je suis très optimiste. I'm a huge optimist, actually. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'abord, on s'est débarrassé des grands tueurs. Je crois qu'ils ont tué beaucoup plus qu'Al Capone. Kadhafi, Moubarak, Ben Ali, c'est non seulement des tueurs, mais des voleurs. Donc c'est déjà le fait de se débarrasser d'eux, c'est une très bonne chose. Alors, évidemment, il y a des islamistes. Bon, mais c'est une étape par laquelle il faut passer. Mais il y a aussi une société civile extraordinaire en Égypte, en Tunisie en tout cas, qui laïque et qui lutte pour la liberté. Et c'est pour ça que je suis optimiste. Ça ne va pas être facile. Ça va être même très dur. Et ce qui se passe en ce moment en Syrie est assez tragique. Donc, mon optimisme, il est sur le long terme et non pas sur le court terme. Nadia ? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Tahar, mais j'ai une requête à faire et je la fais à chaque fois que je peux. C'est que je vais vous demander d'arrêter de dire que les islamistes ont gagné. Parce que nous sommes en train de livrer des batailles et nous avons besoin qu'on nous soutienne et qu'on arrête de leur faire croire qu'ils ont gagné, parce qu'ils vont finir par le croire. En Tunisie, ils ont fait 36% des voix, ça leur a donné 40% des sièges dans une assemblée constituante, qui n'est pas une assemblée législative et qui ne leur donne théoriquement pas la légitimité pour gouverner, mais simplement pour faire partie d'un gouvernement qui devrait juste traiter les affaires courantes de l'État et non pas d'avoir un programme pour lequel ils n'ont pas été élus. Et ensuite, moi, je tiens quand même à signaler, comme à chaque fois que je le fais, c'est que la majorité des Tunisiens n'a pas voté pour les islamistes. Ça, c'est très important de le noter, et c'est quand même un signe encourageant pour la Tunisie, pour les progressistes dont je fais partie, pour les gens qui croient à la démocratie, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que les islamistes sont des gens profondément antidémocrates, qui se servent de la démocratie pour arriver au pouvoir et qui ont un projet de société antidémocratique. Parce qu'ils le disent eux-mêmes, la démocratie, c'est la volonté du peuple, et eux, ce qu'ils veulent, c'est imposer une religion qui serait un mode de gouvernance, et une seule religion. Or, nous sommes dans des sociétés qui sont quand même diversifiées et pour lesquelles nous n'avons pas à accepter aujourd'hui, en 2012, que ce soit une seule religion qui gère les affaires politiques de notre pays. Okay, first, thank you for inviting us. I mean, it's a pleasure to be here. And as for your question, in Egypt, the majority has voted for the Islamists. This is a fact. Of course, as it was said, that you know, the elections were free but not fair, because in Egypt, as you know, there we have 40% of people who are uneducated and illiterate, and so it's an easy game to, you know, to win these voices over.
Also because there was a huge campaign of defaming the liberals as being atheists and heretics, and so with a population that you know strongly believes in religion, this was a very easy game, you know, to win all these voices. And of course, I'm pretty sure that if there will be following or subsequent free elections, if it will happen, we still don't know if, you know, we are going to have the next time again free elections, but if we will have elections, I'm pretty sure that if the Islamists don't succeed in solving the problems of the grounds, the problems which have been, you know, voiced very clearly by the people during the revolution, which is, you know, bred social justice and freedom and dignity, and if the Islamists are not will not be able to solve these problems, you know, they will have the second revolution against them. For the moment, and I think this is important, I mean, being optimist or pessimist is a matter of mood, you know, and our mood is changing all the time because of all the disastrous events that are going on all continuously. I think it's a struggle, and what has happened is that the civil society has been mobilized, heavily mobilized. Women workers and also the youth is heavily mobilized, and they have also understood, I mean, through the revolution, so many frontiers and so many things that have been underneath, like, for example, the whole, you know, Islamist ideology that has been kind of suppressed because of international politics. This all came to the fore and now is being discussed openly. And I think this is one of the major benefits that we have, you know, seen during the last year. And I think also that for the coming days, there are a lot of challenges, and of course, particularly in the field of cinema and the arts and in civil society as a whole. But I'm sure we will find a chance to talk about this. Later. Non, je voulais préciser un point, parce qu'on parle d'élections. Aucun État actuellement dans le monde arabe n'est vraiment démocratique, parce que la démocratie, ce n'est pas une technique, ce n'est pas le fait d'aller voter. La démocratie, c'est une culture qui a des valeurs, et nous n'avons pas eu le temps que ces valeurs s'inscrivent dans les mentalités des gens pour qu'ils puissent réellement faire un choix dans le sens de ces valeurs, qui sont les valeurs de liberté, d'égalité et de justice. Or, quand on utilise la technique de l'élection, on fait semblant d'être démocrate. Mais pour moi, être démocrate, c'est être dans le sens de ces valeurs. Or, c'est vrai que ni au Maroc, ni en Tunisie, ni en Égypte, les islamistes n'ont pas réellement gagné démocratiquement, parce qu'au Maroc, il y a eu 45% de votants, et sur les 45%, il y a eu 27% qui ont voté pour les islamistes. Mais ils n'ont pas la majorité pour gouverner. Donc, mais je me suis dit, moi je suis laïque et je milite pour la laïcité, pour la séparation de la religion et de la politique. J'aurais dit, de toute façon, ces élections, c'est une étape comme une autre, mais il ne faut pas nous raconter l'histoire, ce n'est pas démocratique. Parce que le jour où nous aurons enseigné la démocratie à nos élèves, à nos enfants, qui vont l'appliquer dans leur vie d'adulte, oui. Mais pour le moment, on utilise juste le vernis démocratique pour parler de cela. Et de toute façon, ces partis islamistes vont tomber, bien sûr, par la volonté du peuple, mais aussi par leur incompétence. Ils sont incompétents parce que nous vivons dans la modernité et ils veulent freiner cette modernité. Donc, normalement, tôt ou tard, ils vont vers l'échec. Parce que il y a, et surtout je pense à l'Égypte, parce que c'est le pays le plus où les choses se passent de manière la plus dramatique. L'Égypte, c'est là où
En 1928, ils ont vu la naissance des frères musulmans. Et le spectre islamiste rôde autour de l'Égypte depuis 80 ans maintenant. Donc, ils ont abouti à prendre le pouvoir. Mais c'est un hold-up. Ce n'est pas vraiment une prise de pouvoir démocratique. Donc, tôt ou tard, ils seront éjectés par les militants de la société civile qui sont pour le respect de l'individu, le respect de la vie individuelle. Or, l'islamisme se caractérise par une chose très précise, c'est de s'introduire dans votre vie quotidienne pour vous dire voilà comment vous devez vous habiller, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut, comment faire l'amour avec votre femme et combien d'enfants vous devez avoir. Donc, c'est une introduction insoutenable dans la vie quotidienne des gens. Et en plus, ça prouve une chose, c'est que l'individu n'a pas encore émergé dans cette société. Et tant que l'individu n'a pas été respecté, et donc émergé, on ne peut pas parler de démocratie.